l'embouchure de la Seudre est depuis très longtemps un lieu de pêche et surtout de production d'huîtres réputé. Une ligne de chemin de fer est créée en 1876 sur 21 km pour relier le port de la Tremblade à la petite ville de Saujon. Dans la pub. Non, elle écoute pas, elle écoute. La voie ferrée est à écartement normal d'un mètre 43, ce qui permet au train d'accéder directement au réseau national depuis la Tremblade. Dans la pub. C'est important pour les huîtres qui peuvent donc être distribuées au destinataire le plus rapidement possible, sans perte de temps en transbordement. Pourquoi ce nom de train des mouettes? Certains évoquent un rapport avec le drapeau de la Charente-Maritime orné de deux mouettes. D'autres pensent que ces oiseaux, qui virevoltaient en grand nombre autour des wagons, ont fini par donner leur nom au train. Chaïvette est le premier arrêt du parcours. La gare est très importante pour le train car elle possède un atelier indispensable à l'entretien du matériel ainsi que des voies de garage pour parquer les trains qui ne circulent pas. Cette machine construite au Creusot revendique le titre de plus ancienne locomotive à vapeur circulant en France. Authentique. Non, mais non. Toi, regardez, regardez, ça date nu, ça. C'est... Ah bah, il y a... Regardez, moi, je fais du... Avant, j'étais forêt de 12, maintenant, je suis une tige de 5. Le luxueux train-restaurant propose des déjeuners et des dîners. Il est composé de deux voitures pour les convives et d'une voiture cuisine. Il circule toute l'année, contrairement au train à vapeur. Mais attention, le succès est tel qu'il faut réserver les places plusieurs mois à l'avance. Historiquement, les voyageurs pourront emprunter la ligne jusqu'en 1939. Les trains d'huîtres, pour leur part, circuleront de la Tremblade à Saujon jusqu'en 1980, date de la fermeture définitive du réseau par la SNCF. Ben, comme on a beaucoup de monde, on reste bien assis encore pour l'instant. Ah oui, oui, et ben, tu seras assis dans la gare. C'est en 1984 que la ligne touristique prend le relais. Elle fonctionne de mai à octobre. Après quelques fluctuations, l'exploitation est maintenant gérée par l'association Train et Traction dans le cadre juridique de la loi de 1901. Bonjour.
Ça va trop vite, Nicolas. On peut l'applaudir. Allez, go. Vers 22h, le train-restaurant ramène vers Saujon les passagers qui ont savouré leur dîner pendant que le convoi stationnait dans un site pittoresque de la ligne.